Et bonjour à tous, c'est Matt29 et donc on se retrouve sur ma Farming Simulator 18. Donc on va continuer tout simplement de ramasser. Donc il restait la pomme de terre à ramasser. Et après il ne devra plus rester grand chose à faire. Là il reste ce champ, l'autre champ d'à côté et puis c'est bon quoi. Par contre, il n'y a plus de foin pour les moutons. Enfin, je pense à en remettre. Hop. Bon, c'est presque fini. Il reste une petite bande là. Puis voilà. Au passage, en allant sur l'autre champ, on va vider dans la remorque. Donc on a fini par la pomme de terre. Hop. Allez. On vide tout ça. Hop. On devait en faire une benne pleine. Ou presque. C'est pas encore fané, mais ça ne saurait tarder. Et 84%, on va peut-être la vider quand même. Alors, je vais pas la vider moi-même. Je vais la mettre ici. Et on va la faire vider à l'entrepôt. Alors. Lui est terminé. Bah, du coup on va faire celui-là. Et puis on fera l'autre à côté. Donc ça on va attendre un petit peu quand même parce que sinon. Et puis là je reprends tranquillement. Ah. D'ailleurs, non, on est rendu haut au niveau des animaux là. Donc on est à 57 vaches, 69. Ah bah. Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer. J'ai le cochon. De toute manière, je pense que. Il y a 100% de laine, donc du coup on s'en fout un petit peu. Son petit cochon, d'accord. La paille, j'en ai plus. Et le foin, il faut que j'en refasse. Au niveau du lisier, tiens, on a combien? On a que 28 litres, donc c'est pas 28 000, donc c'est pas assez. Donc là ça fait 73 heures qu'on joue au jeu sur cette partie. Donc on a fait 1667 arbres, on a vendu 105 000 litres d'ensilage, 72 000 litres de laine, 90 000 litres de lait. C'est pas mal. On a battu 556 arbres, on a élevé 325 vaches, 494 moutons et 442 cochons. Alors pour l'instant, en semé et moissonné en hectares, on est à 60, quasiment, donc on est à 60%, 60 hectares, donc on a consommé 19 000 litres de carburant, on a parcouru 1353 km, pourquoi pas. Bon, bah on va charger les 5.
Ouais, mais ça produit, hein. Après, je pourrais laisser monter jusqu'à 100. Et arriver à 100. Je vais les vendre, quoi. Bon, on va couper ça. On va couper les arbres. Donc ça fait un arbre. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Ah, ça fait vraiment, ça fait deux épisodes que j'ai pas fait ça, je pense. Deux ou trois, voire quatre. Hop. Là, ça fait deux. Donc, on a 2 206 000. Donc je dis qu'il fallait que j'arrive à 10 millions. Non, là j'ai plus rien à acheter. Les cubes c'est bon. Les champs on les a tous. Ah, champs et prairies bien sûr. Là on va commencer à ramasser ceux qu'on a déjà, les deux qu'on a coupés ici. Hop. Donc ça fait déjà 3. On va faire celui-ci, ça va faire 4. Hop. Ok. Et voilà. Donc le prochain, c'est celui du fond. Lui, il revient. Bon, ça veut dire que celui-ci, je vais être obligé de le faire moi-même. Parce que sinon, monsieur va se bloquer. Et laisse-moi passer, s'il te plaît. Ou alors, ce que je fais, comme je le fais en automatique, bah en manuel, on va le faire parce que sinon, ça va pas être terrible. À chaque fois, il va se bloquer en bas. Donc, on va faire un truc. C'est ça. Non. Je t'ai pas dit toi. Mais il est con. Là, il est sur le champ et il prend pas celui-là. C'est celui-ci qui vient, quoi. Je vais les vider moi-même, c'est tout. Est-ce qu'on couperait pas ça en deux? Par contre, ça prend large pour ce que c'est, quoi.
parvenir à jouer de coupe comme ça. Bon, après, ça reste un jeu console portable aussi, il faut dire ce qui est. C'est pour que ce soit facile à jouer. Alors des fois ça prend tout, des fois ça prend pas tout. Je crois qu'il faut pas chercher à comprendre. Hop. Je crois qu'il reste juste ça à prendre, plus le haut là, et puis c'est bon. Hop là. Donc en gros, pomme de terre, c'est fini. Maintenant, je vide ça. Hop là. Une fois que c'est vide. Donc avant de le ramasser, on met à nettoyer. Donc on va le mettre ici. Et tac. Celui-ci, et bah tout simplement, on le fait vider là. Tac. Et donc pareil, nettoyage. Ok. Bon, lui, on va arrêter là-dessus. On va l'amener. Normalement sa place, je crois que c'est là. Hop. Comme ça on va refaire un peu de fond. Donc pour les vaches et les cochons et les moutons. Et puis on sera bon après. Je vais peut-être vous faire un petit épisode quand même pour demain, une petite présentation de Tank Mécanique Simulator. Comme ça, vous verrez un peu ce que c'est. Je vous ferai le tour du jeu pour expliquer comment ça fonctionne. On verra ça demain. Et donc cet après-midi, il y a toujours le deuxième épisode de Farming Simulator 18. Alors. On va ramasser ici. Donc là, on a déjà ramassé deux arbres, donc on va ramasser le troisième et le quatrième après, et puis ça sera bon. Oh, je sais pas si je sème tout de suite ou pas. Je vais peut-être finir ça quand même. Peut-être finir ça d'abord. Alors j'étais arrivé à quoi? Je sais pas si ça va être ça. On a fini par en fait on a fini toutes les récoltes. On a fait un tour. Parce que les derniers champs étaient en pleine de terre, donc c'est là qu'on recommence. Avec de la betterave en premier. C'est vrai, normalement j'ai mis le tracteur en betterave, ouais, donc c'est ça. Ok.
Alors, on va se mettre ici avec celui-ci. Voilà. Celui-ci pareil. On va éviter de passer quand même dans les en dessous des silos. Le silo qu'on a là, c'est pomme de terre. Tac. Ok. Bon. Bon, lui. La vache. Voilà. Après. Lui, on va ramasser celui-là. Qui sera le dernier. Et après, on le mettra. Allez, vendre tout ça. Est-ce que je peux pas déjà découper 4? Betterave, donc ça veut dire qu'ici il faudrait que j'envoie la machine à betterave. L'important là c'est de faire du. Alors, je crois que le mieux c'est quand même d'aller sortir pour éviter qu'ils sont. Se prennent les pieds. Hop. Aïe. Ouh. Intelligent. Et du coup, la pomme de terre, c'est. En 16, 17, 18. Si je me souviens bien, ces champs-là. Je sais lesquels c'est. C'est-à-dire que c'est normalement. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, celui-là et celui-là. Le tracteur il va suivre. Ah lui il passe par là. Ok, bon c'est très bien. Ces deux-ci sont déjà arrivés. Et tant mieux. Ensuite, donc betterave, après c'est du blé. Blé c'est. Donc ça veut dire que. Lui. Lui il est revenu. On va le ranger. Est-ce que ce serait pas une forte demande? J'ai quoi avant de dire ça parce que. Alors on a du blé, du tournesol, de la betterave et de la pomme de terre. Allez. Betterave. Hop là. Du coup on va se prendre le grand camion. On va charger. De la betterave. Hop.
Et on va aller vider ça au plus cher. Ok. Donc l'autre, celui-ci est arrivé plus vite que l'autre quand même, hein, je peux le dire. Mais... Ok. Ensuite. lancieuse, alors c'est le maïs. 12, 13, 14, donc c'est les champs qui sont en bas. Lequel est le plus grand? Celui-ci. Donc celle-ci ira là. Donc celui-ci va suivre aussi. On sélectionne ça et on met ici. Celui-ci qui a terminé, on va le mettre sur notre champ. Ça, on va le fermer. Donc ça sera sur celui-ci. Comme c'est à côté, je l'envoie. Hein. Tac. Alors, là il va falloir jouer avec ça. Donc la machine, vraiment le premier truc c'est du blé. Donc... Celle-ci va partir avec la coupe à céréales. Ah ben, il y en a deux qui se cherchent, tiens. Ça, c'est lequel, celui-là? Ça, c'est dans un truc d'ancien, à tous les coups. Alors, est-ce qu'il y a deux bennes entières? Certainement que oui. Allez, vas-y, va te vider. Ah, c'est ça. Ça sera va mettre là. Alors, donc normalement c'est les deuxièmes champs à faire, donc c'est-à-dire que celui-ci il commencera ici, c'est ça. Donc la remorque va suivre. Et vient ici. Les deuxièmes donc, sont en blé, donc du coup, celui-ci, il va monter là-haut. Après là-dessus, je vais arrêter et on va se retrouver pour le deuxième épisode. Ce que je vais faire, c'est qu'avec celui-ci, je vais envoyer le matériel pour les balles. Et une fois que j'aurai fait ça, j'enverrai la coupe sur le champ de maïs. Hop, bon, allez, on se suit. C'est beau quand ça fonctionne bien quand même. Bon, lui il est prêt, on va le mettre dans la zone ici, juste pile poil. Nous, on se retrouve juste après.
dans le deuxième épisode cet après-midi. Donc on se dit à tout à l'heure en début d'après-midi. Allez, à tout à l'heure.